Henri a inventé ce concept. On a d'abord fait Bordeaux-Paris, les places du débarquement Paris, Londres-Paris, Berlin-Paris, tout ça à vélo. Ouais. Et ça, c'est grâce à toi. C'était le concept des défis. Mais on était un peu fous, hein. On était un peu fous à cette époque, mais on s'est dit, pour faire bouger le 36-37, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut susciter de l'émotion. Il faut que les gens soient avec nous et qu'ils se disent, mais ils se font marcher les muscles, ils se font mal, mais ils le font pour les le enfants. Le muscle au service du muscle, voilà, c'est un beau slogan. Ça, et on a vécu des moments extraordinaires, parce que le vélo, c'est aussi notre passion. Et quelque part, on s'est fait plaisir, mais on se fait très très et bien. Et puis on était des escrocs. Moi, je commentais le Tour de France, mais je faisais 20 km par an. Et d'un seul coup, il me dit, il faut faire 625 km entre Bordeaux et Paris. Ouais. Donc on s'est entraîné autour de Longchamp. On a dû faire 500 km d'entraînement. Et Henri nous a emmenés dans une aventure exceptionnelle. La plus exceptionnelle aussi, pardon, c'était Londres-Paris. Londres-Paris, on est passé dans le tunnel sous la Manche avec nos vélos. Enfin, vous c'était êtes arrivé dans un état pitoyable. Hein. Ah, dans un état lamentable. T'as pas vu dans quel état j'étais après le Mont-Saint-Michel-Paris? Michel n'était pas mieux. Ma femme m'a pas reconnu.